Cette vidéo concerne Anne-Elisabeth Gautreau. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fil abbaye cistercienne de la Mégroge et bibliothèque porte. YouTube abbaye cistercienne de la Mégroge et bibliothèque en 2011 porte. Anne-Elisabeth Gautreau, née le date 25 décembre 1607 à Fribourg-de-Ville, Suisse. Fribourg de est morte le date 26 novembre 1657 à Fribourg de est une mystique cistercienne suisse saint canonisée avant sa mort. De 1654 à 1657, elle devient abbé abbesse à la suite de Anne Teuchtermann 1607-1654 dans l'abbaye de la Mégroge dans laquelle elle est entrée en 1623. Biographie. Anne-Elisabeth Gautreau est la fille de Jos, membre du Conseil des 200, Conseil des 200 et des Élisabeth de Rouif. Élisabeth de Rouif, née en 1607. En 1623, elle entre dans la l'abbaye cistercienne la Mégroge Majoro. Elle prend les habits de l'ordre en 1625 et prononce ses vœux religieux en 1627. Elle est d'abord organiste de l'abbaye en 1630, puis prieur sous prieur. Elle occupe d'autres fonctions par la suite. En 1634, elle devient maîtresse des novices et en 1643, prieur. En 1654, elle est élue abbesse. À la Mégroge, de nombreux écrits de sa main sont conservés, en majorité des manuscrits inédits d'un 47871 Gautreau Anne-Elisabeth. Littérature de Helvetia Sacra, section 3, Lieudor de mi-Benedictiner Rogel, band 3. Franck Verlag, Berne 1982 S. Notes et références. Catégorie naissance en 1607, catégorie 2 en 1657, catégorie personnalité féminine suisse, catégorie religieuse suisse, catégorie personnalité liée au canton de Fribourg.